Bonjour tout le monde, je me cache. Alors aujourd'hui, comme prévu et comme promis, on va préparer la toile pour la dame steampunk bleue. Voilà, celle-ci. Enfin, je vais commencer à la préparer. Donc, c'est une broderie qui va faire 425 points sur 283 points. Il y a 150 couleurs, voilà, qui elles sont déjà prêtes. Fifi est prête aussi. Donc, voilà une partie. Et voilà la deuxième partie. Alors, il m'en manque, enfin, c'est parce que je ne l'ai pas préparée. Celle-là, je l'ai, je vais la rajouter. C'est la blanche. Voilà. Mais j'ai mis un B5200 à la place, donc ce n'est pas un problème. Là, il m'en manque une que je dois avoir. Et là aussi. Voilà. Il n'y en a que deux qui n'ont pas été bobinées et que je vais bobiner. Il n'y a pas de problème. Voilà. Hop. Alors, ici, je vais exceptionnellement broder sur une toile Aïda 8. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous la verrez bien comme ça, mais. Donc, c'est une Aïda 8 que j'ai eue chez de mère en fille. À la base, je voulais broder sur une Ezikunt, mais il n'y avait pas. Enfin, j'ai quatre toiles Ezikunt, mais elles ne sont pas à la bonne taille. Donc, j'ai repris une Aïda. J'ai dit, bon, c'est pareil. Enfin, non, c'est pas pareil. Hop, je fais du bruit. Étamine et Aïda, c'est pas pareil, mais bon, c'est pas très grave. Hop, voilà. Alors, ici, la toile est très, très, très grande. Voilà, là, elle est pliée en deux. Je sais pas. Voyez, hop, voilà. Alors, j'ai besoin de 45,37 sur 63,12. Bon, je vais arrondir. Je préfère mettre plus grand. Et assurer mes arrières, comme on dit, au moins comme ça, j'ai pas de problème. Là, j'avais compté une marge de 5 cm. Je vais faire une toile de 50. Alors, je vais me le marquer. Les 50 sur 70. Voilà. Comme ça, je suis sûre de ne pas avoir de problème. Alors, j'ai oublié de préparer mon mètre. Alors, je dois en avoir un ici, je pense. Oui. Voilà. Donc, je vais déjà regarder la longueur ici. 70, ça fera là. Ok, et là la largeur, elle est de combien? Cinquante-cinq. Bon, vous savez que pour 5 cm, je vais pas, je pense pas que je vais recouper. À moins que je recoupe. Alors attendez, je vais débarrasser un peu. Avoir de la place. Voilà. Alors, ici, j'ai une lisière. Donc, la lisière, on ne la compte pas, bien sûr. On va la laisser, mais on ne la comptera pas. Alors, j'ai dit 50. Hop, voilà. Je ne sais pas si vous me voyez.
Voilà. Alors, 50, ça va faire ici. Voilà. Alors, c'est rien, c'est un stylo friction, ça s'en va à la chaleur. Et donc, j'ai dit 70. Voilà. Alors, je fais des traits 50. Excusez-moi, vous allez peut-être voir ma grosse tête. Voilà. Et ici, on a dit 70. Alors, on va suivre le trait. Voilà, il me reste à couper et du coup il me restera encore beaucoup de toile pour une prochaine, pour plusieurs broderies ou une grande encore, mais bon, les grandes pour l'instant je crois que ce sera tout. Alors, ça c'est bien, j'ai un bon ciseau. C'est les ciseaux DMC, ils vont super bien. Voilà. Alors ça, c'est ce qui reste.
faire dans mon sac à toile. Voilà. J'espère que je ne me suis pas trompée. Hein. Alors. C'est bon. Vaut mieux vérifier deux fois que... Voilà, c'est bon. Alors, attendez. Je voulais vérifier un truc avant. Là. Je revérifie quand même sur le calculateur de toile. Calculateur, voilà. Alors, j'avais dit 420. Oui, 425. Alors une Aïda 8, je compte 5 cm. Oui, c'est bien ça. C'est bon. Ah, voilà, je remets. Oh, ça y est, c'est la pause pipi du soir. J'arrive. Me revoilà. Bon, la pause pipi des toutous est faite. Alors, je sais faire. Hein, je vous rassure, je sais le faire. Je sais surjeter mes toiles. Mais c'est la fainéantise. Tout simplement. Donc, je mets du masking tape. Voilà. Celui-là, je l'ai chez Action. Il va très très bien et c'est ça me suffit. Alors, est-ce que vous allez me voir? Oui. Alors, pourquoi je fais ça? Ben, c'est exactement la même chose que si je surjetais. C'est pour éviter que la toile s'effiloche. Bon, l'Aïda, c'est... Ça s'effiloche moins, je trouve. Voilà. Celle-là, non, elle colle plus celle-là. Bah mince, ça fait longtemps que je l'ai. Bon, alors attendez, ouais, ça fait très longtemps que je l'ai celui-là. Je reprends un autre. Alors, un autre, je vais prendre celui-là. Toujours de chez Action, je crois. Voilà, mais celui-là, c'est du blanc, hein, du normal. Ah oui, celui-là, il colle. On l'entend. Alors, ça n'abîmera pas votre toile. Hein. Il n'y aura pas du scotch qui va se... de la colle qui va rester sur votre toile. Il n'y a pas de problème. Et quand vous aurez terminé, il sera très facile à retirer. Si vous avez regardé ma dernière vidéo où je fais l'encadrement de mon petit dragon, j'avais mis ça sur la toile aussi et vous pouvez voir dans la vidéo que ça se retire très très bien. Voilà.
Et ça dure très longtemps hein, sur votre toile. Ça ne partira pas. Allez, sur le bon côté. Bon, bien sûr, côté lisière, j'en mets pas, c'est pas la peine. J'ai un petit pli dans la toile, donc on va bien tendre. Voilà. Là, c'est juste parce que j'ai dit, j'aurais dû la repasser avant, mais bon. Voilà. Là. Alors maintenant je vais la plier pour... je vais comment compter mes 5 cm. Ah, mon crayon, il a roulé, voilà. Alors, je suis ici. J'espère que vous voyez bien. Hein. C'est vrai que avec une grande toile comme ça, c'est pas très pratique. Et donc, dans l'autre sens, je compte 5 cm. Voilà. Je vérifie. Hein. 5 et 5. Voilà. Donc ça, je vous ai dit, hein, ça partira, même avec un sèche-cheveux, ça suffira pour que ça parte. C'est l'endroit où je vais commencer ma broderie. Maintenant, je l'ai mis là. Alors, je vais installer mon cuisnap. Donc c'est un grand, il fait 43,1 sur 27,9. Alors par contre, est-ce que j'ai encore de la feutrine? Je vais regarder. Alors feutrine, non, j'ai plus que ce petit bout là. Donc c'est pas grave, j'ai sorti des vieilles chutes de toile qui vont me servir. Donc celle-là, je vais la couper en deux. De toute façon, elles ne seront pas perdues. Soit elles continueront à me servir pour mes cuisnaps, ou elles me serviront pour faire des petites choses. Voilà. Alors, par contre, là, elle est trop large. C'est la très très vieille toile hein, que j'ai depuis longtemps, donc j'ai pas trop mal au cœur de la couper. Ah ouais, je suis bête, j'aurais pu couper celle-là. Hop.
Alors, je vais vous montrer pourquoi je fais ça. Voilà. Donc, d'abord, montage du cuisnap. Mais avant, alors, il est neuf, donc il est dur. Voilà. Oh, quand c'est tout neuf, c'est dur. Hein. Ah bah, celui-là, il s'en va. Hop. Ah bah, celui-là, il s'en va tout seul. Ce que je veux, c'est retirer ça. Les pinces. Voilà, ça y est. Hop. Voilà. Et pareil pour ici. Voilà, donc je vais monter mon cuisnap tout simplement. Voilà. Alors, je vais mettre mes pinces. Alors, voilà. On va mettre un petit bout de toile. Et je mets mon clips. Alors, pareil ici. Alors, la toile va me servir à protéger la toile, malgré que les cuisnaps, ça n'abîme pas. Hein. Et en même temps, quand j'ai besoin de bouger mon cuisnap, ça m'aide. Je tire sur le tissu. Et voilà. Je tire sur le tissu et ça se soulève tout seul. Alors, pareil ici. Bon, il est un petit peu plus long, mais c'est pas grave. Peut-être un peu large, non? Non. Voilà. Et on termine ici. Voilà. Alors, mon cuisnap est prêt. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est à plier le reste de ma toile le mieux que je peux. Voilà. Alors, soit vous mettez les pinces comme ça, comme moi je fais, voilà. Ou alors celle en caoutchouc, mais pour des grosses épaisseurs comme ça, c'est un peu compliqué. Et voilà, ma toile est prête. Il n'y a plus qu'à la broder. Voilà.
Donc, je vais démarrer ici, au bord. Donc là, j'ai bien mes 5 cm, n'ayez pas peur. Et là, elle est super bien tendue. Donc, il n'y a pas de problème. Voilà. Je pense que je vais commencer quelques points, bon, peut-être pas beaucoup. Donc, au bureau avec mes pinces. Ouais, je pense que je vais la commencer quelques points avec vous. Et voilà. On se retrouve tout de suite le temps que je m'installe. Alors, je suis à mon bureau. Voilà. Alors, on va installer la toile. Donc, avec mes pinces. Ici. Ici, voilà. Vous voyez. J'installe mon petit pupitre. Alors, c'est un petit pupitre à livre. Mais moi, je m'en sers pour la tablette. Voilà. Ça va nickel. Donc, ça va ici. Voilà. Ça va là. Je vais y mettre ma tablette. Voilà, je suis tranquille. J'installe mon cuisnap. Alors, je peux reculer encore un peu. J'installe mon cuisnap sur mes pinces. Voilà, c'est fait. Je peux mettre ma pince plutôt dans le tiroir, ça va mieux. On fait comme on peut, hein. Voilà. Voilà, je suis mieux installée comme ça. Je vais mettre mon petit aimant. Alors, j'ai rien qui se rapporte au steampunk dans les aimants. Donc, je vais mettre ce petit scarabée. Voilà, quand j'avais eu chez Sabine, la boutique Poussière d'étoiles. Hop, voilà, mon petit aimant est prêt. Mes fils, hein, c'est important. Voilà, mes boîtes de fils ici. Et il me faut également mes ciseaux. Pareil, c'est des petits DMC, ça. Ma boîte avec les enfils aiguilles. Et il me faut une fine aiguille. Alors, je n'ai plus... Enfin, elles sont sur d'autres ouvrages. Mais je vais en reprendre, je pense. Je n'ai plus d'aiguille à boule. Mais voilà, c'est pas grave. Allez, viens maman. Est-ce que tu devrais aller toi? Oh non, toi t'es une grande. Toi t'es une... Non, ça c'est une boîte de grande. Ça va pas. Pour les 14 CT ou les même les 11 CT, donc ça ne va pas, c'est rien. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Voilà, là ça ira. Voilà. Je vais prendre un petit comme ça en caoutchouc pour bloquer mon tissu ici, pour pas qu'il me gêne quand je vais coudre, enfin quand je vais broder plutôt. Allez, j'ai deux mains gauches. Oh là là. Voilà. Ah, on va pas se laisser faire. Alors,
Voilà mon installation. Je vous montre. Voyez. J'ai ma lampe loupe, bien sûr. Donc, elle va aller au-dessus. Et puis, c'est tout. Voilà, je n'ai besoin de rien d'autre. Juste commencer mes premiers points. Donc, ça, on va, je vous dis, comme je vous ai dit, on va le faire ensemble. Je vais changer, pareil, le téléphone de place pour que je vous mette au-dessus de la toile. À tout de suite. Alors, on va, je vais faire comme l'autre jour, vous verrez la tablette à l'écran. Voilà, là, voilà, la grille est là, est prête. On va faire tout de suite les réglages. Voilà. Alors, dans les paramètres, utiliser le translucide, oui, stationnement de couleur, moi, je mets du jaune, je mets du rouge, pardon, voilà, et recherche de couleur, je mets du jaune. Voilà. On va mettre. Ben voilà, j'ai fait tomber mes ciseaux. On va faire mettre les diagonales. Allez. Voilà. Et on va centrer quand même la grille, mais ben elle est déjà centrée. Voilà. Donc c'est bon. Je crois que j'ai tout mis. Oui, oui, oui. La surbrillance de recherche de points, stationner la couleur, couleur de sélection. Alors, couleur de sélection, je veux une couleur qui pète. Je veux une couleur. Alors, dans les bleus, peut-être. Ouais, on va essayer le bleu. Comme elle est bleue. Voilà. Et j'ai pas mis les diagonales. Ah là là. Pourtant, j'avais validé. Hein. Allez. Ah, voilà. Normalement, là, ça doit être bon. Ça y est. Voilà. Il y a mes diagonales. Bon, attendez. Je ramasse mes ciseaux. Que la terre est basse. Alors, on va commencer. Alors, ici, vous vous rappelez, on a toutes les dans la colonne toutes les références DMC avec entre parenthèses le nombre de croix qui vont être brodées dans cette couleur-là. Alors, j'ai cliqué sur ma loupe et on va commencer par la première couleur. Voilà, ça va être la couleur 3750. Et la couleur 3750, il y aura 5131 croix à faire avec. Sur toute la toile, bien sûr. Alors, je bloque mon écran et je vais m'agrandir. Eh bien, je vais prendre ma couleur. Alors, la 3750, ben, c'est la deuxième boîte. Alors, 3750, 760, ah, voilà. Alors, c'est un, voilà, c'est un genre de bleu marine, bleu, avec des, un peu vert, mais je ne vais pas expliquer, bon. Je prépare mon aiguiller. Alors dans la semaine, je vais voir si j'en ai encore assez. Sinon, je recommanderai. Dans la semaine, je vais faire les mes stop fils, vous savez, pour la méthode parking que je fais avec des canettes de machine à coudre et des aimants. De toute façon, là, je vais en avoir besoin.
Donc, je vais en préparer avec vous. Vous verrez, c'est très facile, hein. Le temps d'enfiler. Je mange du fil. Voilà, allez, c'est parti, mon kiki. J'espère que vous verrez bien. Je règle ma loupe. Oula, ça ronfle derrière moi. Donc voilà, bon, il n'y a pas de problème, hein, que de l'Aïda, de toute façon. Alors par contre, ce premier fil, je crois que je ne vais pas pouvoir le parquer, parce que je pense que les prochains points seront très très loin. Donc, quand c'est vraiment très loin, là, j'arrête mon fil et je le reprends au moment où j'en aurai besoin. J'espère que vous voyez bien. Oui, je pense que ça doit aller. Sinon, j'agrandirai l'image au montage. L'Aïda 8, si vous voulez broder en un fil, vous pouvez. Hein. Mais moi, j'aime pas broder en un fil. À part les points arrière. Ça va tout seul. Une petite poussière. Ah oui, ça ronfle dur hein, derrière moi. Alors, j'ai pu voir dans mon groupe de broderie, si vous connaissez pas encore, vous retrouverez le lien en barre d'infos, ainsi que mon groupe Vie d'atelier. Là, on y vend bah, tout ce qu'on veut, tout notre matériel d'occasion en broderie, en laine, en scrapbooking, les bouquins, voilà, tout ce qui se rapporte aux loisirs créatifs. Et je vous disais ça pourquoi. Oui, voilà. Depuis que j'ai montré que je faisais de la chaîne ED.
J'ai des membres du groupe qui sont en train de se lancer. Et ça, c'est top, top. Allez. Alors, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, encore un. Bon, je trouve plus le trou. C'est quoi ça? Et je me suis déconcentrée, ça va pas. J'ai la tremblote, mes gens. Voilà, aujourd'hui, j'ai pas beaucoup brodé parce qu'on avait un rendez-vous l'après-midi. Donc, j'ai brodé que au matin. J'ai brodé mon Bouddha de Sabine, poussière d'étoile. En plus, je me suis un peu ralentie parce que j'ai vu que j'avais fait quelques petites erreurs. Donc, j'ai dû démonter mes petites erreurs et puis voilà. Mais rien d'extraordinaire, hein, vraiment. Que je sais pas quand dans la semaine ou la semaine prochaine j'essaierai de vous faire une vidéo silencieuse de broderie. J'aime beaucoup ces vidéos moi, et bon, je sais pas si ça vous plaît, c'est un peu les vidéos ASMR mais en broderie, et j'aime beaucoup regarder ça. On verra si ça vous plaît ou pas. Donc voilà, cette couleur là est faite. Alors, attendez, je vais piquer mon aiguille là pour pas la perdre. Donc ça c'est fait. Voilà. Hop. Et du coup je vais regarder. Ah oui, vous voyez, les prochains sont vraiment très très loin, donc là je vais stopper mon fil exceptionnellement parce que là ça va beaucoup trop loin. Alors, on m'a demandé, pareil, de faire une petite vidéo pour montrer justement comment on commence et comment on arrête son fil. Donc, vous l'avez déjà vu dans plusieurs de mes vidéos, mais c'est pas grave. Je vais vous faire une vidéo spécifique pour ça. Comme ça, ben, vous verrez. Pour ne pas faire de nœuds à votre broderie. Alors, je vais ranger le reste de mon fil. Hop. Puisque du coup, celui-là, j'en ai plus besoin avant un petit moment. Et le petit bout, là, je ne vais pas le jeter. Je vais l'accrocher ici, dans le rond. Voilà.
Allez. Voilà. Hop. Allez, viens là, toi. Hop. Alors, on va faire maintenant en suivant. Hop. Ici. Voilà. Alors, je vais ranger celui-là d'abord. 3750 ici. Et maintenant, il me faut le 930. Ben, 930, c'est dans l'autre boîte. Alors, 930. Il est ici. Voilà. Alors, 930, c'est un autre bleu, voyez. Alors, je sais pas où vous êtes. Ah, là. avec la loupe, plus le téléphone en l'air, je vois pas tout. C'est un autre bleu, voilà, un petit bleu, bleu pétrole, on va dire. Hop. Je me fais des nœuds dans les doigts pour... Alors, on va tirer un fil. Voilà, je travaille toujours avec un seul fil. Donc ça, je vous le montrerai en détail également dans la vidéo. Ce sera plus simple, malgré que là, vous pouvez le voir. Je plie mon fil en deux, voilà, pour pouvoir faire une boucle. Mais je vous ferai ça avec un petit bout de toile, ce sera mieux. Voilà. Allez, c'est parti, mon kiki. Alors, c'est vrai qu'avec cette broderie, je vais voir la vie en bleu, hein. Pas en rose, mais en bleu. Alors, je tire mes fils, moi, quand c'est pas très loin, je tire hein, derrière. Je ne vais pas stopper mon fil à chaque fois. Hein. On va dire à une dizaine de points, je tire. S'il faudrait tirer plus, là non, je coupe et je refais plus loin, mais... Donc, comme je vous ai déjà dit, hein, moi, l'arrière de la broderie, je m'en fiche un peu, tant que ça fait pas des gros nœuds, voilà... Là, je suis au bout de ma diagonale, mais il ne reste qu'un point à faire en dessous. Donc, on va d'abord vérifier. Hop. Alors, je bloque mon écran. Les prochains, ils sont... Ouais, là. Non, ça fait assez loin. Donc, pareil, je vais stopper mon fil. Mais comme il n'y en a qu'un dans le deuxième carré du bas, je vais le broder quand même maintenant. C'est pas très très grave.
Alors, j'ai mis de la toile, mais alors c'est, ça va être embêtant, ça va s'effilocher. Bon, si je vois que ça va pas, je changerai. De toute façon, je vais recommander de la feutrine. Voilà. Voilà. Bon, là pour l'instant, on n'a pas pu parquer, hein, vous avez vu, mais c'est pas très grave. C'est le début de la toile. Voilà. Allez, je range mon fil. Je vais marquer, hop, voilà. Puisqu'ils sont brodés. Ensuite, on va broder. Alors ça, le petit bout, je le garde. Oh là là, ouais, ce soir j'ai deux mains gauches, hein. J'ai mes mains, elles sont, j'ai du mal. Voilà. Alors on va ranger cette couleur-là. Et ici, alors on va continuer. Ma loupe, et on va faire cette couleur là. Donc là, il y aura quatre points à faire. Je vais vérifier tout de suite. Voyez, donc il y aura 1, 2, 3. Ce sera dans le troisième carré qui commencera à avoir cette couleur là. Donc c'est encore une couleur que je vais stopper tout de suite. C'est beaucoup mieux. Je suis désolée. Là, on va pas parquer pour l'instant. Alors 3807. C'est dans la deuxième boîte. Et celle-là, il y aura 2369 croix à faire. Alors, 3807. Je l'ai mis où? Où est-ce que je l'ai mis? Bah zut. C'est ça, hein, 3807, oui. J'ai oublié de la mettre. Alors, attendez. Hop, mais celle-là, c'est la 931. Alors, 3807. Je sais pas pourquoi je l'ai pas. Alors, attendez. Voilà, j'ai retrouvé ma couleur. Ah, je vous jure, ça arrive, hein. Alors, allez, c'est parti. Oula, excusez-moi, j'avais pas vu que le téléphone avait bougé. Désolée. Mais c'est vrai que c'est compliqué avec ma loupe, le téléphone, les lumières.
Et voilà, cette couleur-là est déjà faite. Et comme elle sera très loin, je préfère l'arrêter. En plus, quand c'est vraiment très loin, si on voudrait parquer au prochain point, ça fait perdre du fil, hein, donc c'est pas la peine. Voilà, cela c'est fait. Allez, maintenant on va faire alors celui-ci, il y en aura. Voilà, celui-là je pourrais le parquer. Donc c'est la couleur 38-38. Alors j'espère que j'ai pas oublié de la mettre dans ma boîte. Hein. Oh là là. Bon, ça arrive. Ça arrive. Alors, bon, celle-là, je vais la mettre sur le côté pour l'instant. Je la rangerai plus tard. Oui, 38-38, je l'ai. Youpi! Youpi-you! Donc, c'est cette couleur-là. Hop, 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 hop. Voilà. Donc là, je vais avoir quoi? Ah, j'en ai deux à faire et j'ai que deux points et après je vais parquer. Allez, voilà. Là, comme ça, pour celles qui n'avaient pas vu, je vais vous montrer comment je vais parquer mon fil. Allez, c'est parti. Ah mince, j'étais trop vite. Allez, voilà. Alors, vous pourriez vous dire, mais pourquoi t'arrêtes parce que il y a, voyez la ligne rouge sur la tablette. Donc, je travaille en diagonale. Donc là, je fais mes couleurs jusqu'à la ligne rouge. Quand ça, c'est fini, après, je fais, voilà, après, je fais entre les deux autres lignes, toujours dans la diagonale. Voilà. Et je suis insupportable parce que j'essaye de continuer à vous montrer avec mes doigts. Mais vous ne les voyez pas, mes doigts, sur la tablette. Voilà. Et ici, je vais parquer mon fil. Qui veut dire que je fais une demi-croix. Voilà. Et je ressors mon fil en bas. À gauche, voilà, et je laisse pendouiller mon fil pour l'instant. Donc on va parquer sur la tablette
je fais comme si je l'avais brodé, mais j'appuie sur plus et stationner le fil dans le coin inférieur gauche. Voilà. Allez, maintenant on va faire cette couleur là donc il n'y en aura que deux. On va vérifier tout de suite. Oui, c'est pareil, vous voyez, c'est très très loin, donc on va faire les deux points et on arrêtera le fil. Là, pour l'instant, je range mon autre bobinette. Je range tout de suite au fur et à mesure, surtout quand il y a beaucoup de couleurs comme ça. Pour pas, et surtout, je remets le fil que je n'ai pas utilisé sur ma bobinette pour ne pas me mélanger les pinceaux. Voilà. Allez. Oh. Je vous dis, franchement, j'ai deux mains gauches. Alors, 38, 38. Non, c'est pas. Si, c'est 38, 38. Donc, je le range là. Et maintenant, il me faut le 792. C'est dans l'autre boîte. Bon, c'est pas contraignant du tout hein, de travailler avec deux boîtes. De toute façon, moi, ils sont mis dans l'ordre numérique. Donc, voilà, je m'y retrouve très très vite. Voilà, la couleur. On commence à s'éclaircir légèrement. Bon, après, il va y avoir des blocs. Hein. De toute façon, là, on est dans le fond pour l'instant. Donc, le fond va durer un petit moment avant d'arriver au personnage. Voilà. Voilà. Désolée, hein, vous voyez pas ce que je fais là. Mais pour enfiler mon aiguille, il vaut mieux que je l'aie devant le nez. Allez, oh. Voilà, mes deux points sont faits. Donc là, je vais stopper mon fil. Voilà, on va les marquer, ils sont faits. Il nous reste plus que, ah si, j'ai encore deux couleurs, pardon, je croyais qu'il restait qu'une seule couleur. Alors là, c'est le 931, donc là, on va pouvoir après parquer notre fil, puisque vous voyez, en dessous de la ligne rouge, ça continue. Alors, 931, je vais d'abord ranger mon fil que je viens d'utiliser. J'espère que la vidéo vous plaît.
Est-ce que profitez pour me dire si vous voulez plus de vidéos comme ça ou pas. Ah, ah là 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 là. Non, je vous jure que mes mains aujourd'hui, ce soir, elles ont du mal. Ça, quand on commence à avoir de l'arthrose dans les mains, c'est pas top top. Il arrivera un jour où je ne pourrai plus broder. Alors, j'ai celle-là, c'est la 792. Elle va là. Et maintenant, il me faut la 931. Elle est ici. Voilà. Hop. Voilà. Un bleu, un petit bleu pétrole un peu plus clair que tout à l'heure. Alors, il y a je vous dis, moi je regarde beaucoup les vidéos américaines, et surtout celles avec les achats ED. Il y a plusieurs techniques hein, pour broder ce genre de broderie. J'ai pu voir aussi qu'il y en a qui font donc en diagonale, et en ligne, c'est-à-dire que... Elle travaille là comme moi, mais elle travaille en ligne. Voilà. Donc là, par exemple, il y a un rouge, elles font le rouge. À côté, c'est un jaune, ben, hop, elles rechangent le fil, elles font le jaune. À côté, c'est un vert, et ben, elles repassent leur aiguille dans le vert, etc. C'est bien et je trouve que bon, j'ai pas essayé encore hein, cette technique-là, j'essaierai peut-être un jour. Mais j'ai peut-être l'impression que c'est un peu long. Parce qu'à chaque fois, il faut refaire une aiguille. Enfin, réenfiler son aiguille à chaque point. Ça me paraît un peu long. Moi, par contre, là, je descends. Façon, le principal, on fait la technique qu'on veut. Je sais qu'il y a là, je vous dis, ils disent des noms mais de techniques mais en anglais, donc mais il y a vraiment plusieurs techniques. J'essaierai de les comment je peux dire, je cherche le mot. Les répertorier, voilà, je vais y arriver. Les différentes techniques et je vous dirai. Mais là, bon, ce sera pas sur une broderie. Je vous montrerai peut-être en faisant sur une feuille avec un crayon, voilà. Bon. Y arriver, tu veux ou tu veux pas? Alors, je suis là, j'en ai fait 4, c'est ça. Donc là, je n'en refais plus qu'un. Là. Donc là, j'en ai fait un. Maintenant, j'en fais un ici en dessous.
Voilà. On commence à voir la diagonale. Et voilà. Alors, maintenant, je vais parquer mon fil. Donc, en dessous de celui-là. Alors, c'est pareil. J'essaierai de retrouver la photo. D'une américaine qui brode. Donc, plutôt de sa broderie. Alors là, même pas en rêve, je parque mes fils comme elle fait. Même pas en rêve. Elle a toute une ligne ici, mais alors tous les fils sont le long de la broderie, mais il y en a une quantité phénoménale. Je ne sais pas comment elle fait pour se retrouver. Ah bah attendez les loulous. Voilà, celle-là, donc on l'a parquée. Voilà. Il nous reste plus qu'une couleur. Donc, maman, elle va faire la couleur qui reste et après, je m'occupe de vous. Voilà. Et je vais finir. Donc, je vais faire cette dernière couleur avec vous. Et je continuerai cette broderie avec vous une autre fois. Ou peut-être que je l'aurai avancé hors caméra, hein, mais je vous la montrerai de temps en temps, assez régulièrement si je peux. Alors là, on est au 38-39. 38-39. Oui, je l'ai. Alors, celle-là, elle est encore plus claire, voyez. Vous attendez 2 minutes. Bon, attendez, je n'arrête pas la caméra. Je vais juste leur ouvrir la porte. Je suis là tout de suite. Allez, les loulous. Allez. Là, je vous abandonne pas. Oh là, j'ai fait tout bouger, le téléphone, la loupe, tout. Voilà. Désolée. Excusez-moi, mais là, j'étais restée à la porte. Parce qu'il bah, il fait noir. Et puis, comment? Bon, pas que Fifi sorte. Voilà. Et surtout que tout à l'heure, cet après-midi, on a vu un rat dans la cour. Et eux, ils ont coursé le rat. Donc, du coup, je fais attention parce que je voudrais pas qu'ils se fassent mordre par le rat et puis qu'ils attrapent une maladie. Donc, voilà.
Bon, je sais, j'aurais peut-être fait des coupures au montage là, peut-être, on verra bien. Peut-être que là, vous m'entendez dire ça, puis vous dites, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? On n'a rien vu, nous. Ah là là. Allez, on termine cette couleur. Donc là, je vais voir pour parquer le film et en haut, puisque je reprendrai ma prochaine diagonale par le haut. Alors, 1, 2, 3, 4. Le bruit que vous entendez, c'est rien. C'est Géry qui fait son ménage. Oula, je suis partie, moi. Alors, il y a un petit moucheron là qui nous embête. Ça commence. Les moucherons, ils arrivent déjà. Maintenant, c'est deux. Ah, je croyais que mon fil était parti de mon aiguille. Donc deux. Et on va terminer la diagonale avec un point. Bon, ce moucheron commence à m'embêter, hein. Il vient me chatouiller le nez. Je vais lui faire sa fête. Et voilà. Alors, on va parquer le point suivant. Et voilà. Donc ma diagonale est faite, voyez. Donc là, on va marquer les points qu'on a fait. Et on va marquer le suivant, voilà. Voilà. Alors, là, avec vous, bah, écoutez, j'ai fait 56 croix. Bon, c'est pas beaucoup, mais c'était pour faire le démarrage de la toile. Donc, voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais arrêter la tablette maintenant. Je peux. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous voulez continuer à voir des vidéos comme ça?
Est-ce que la vidéo silence que je vous disais, je style ASMR, vous intéresse? Voilà, bon, j'en ferai, si ça vous intéresse, je n'en ferai pas tout le temps, hein, mais j'en ferai de temps en temps. Voilà, si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas non plus. Allez, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous, bisous.